لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جراكم تلك annoncé peut-être ça va décevoir quelques frères et quelques sœurs. Je vais aborder l'un des trois sujets que j'ai proposé aujourd'hui. Ce qui a été proposé, c'était le retour au bled, au pays d'origine, entre rêve et obligation. Est-ce que c'est obligatoire pour le musulman de faire les hijra, ou bien le musulman doit planifier sa mort ici? Préparer, planifier sa mort. Pourquoi j'ai parlé du second sujet, planifier sa mort? Parce qu'une sœur s'est réveillée, elle a trouvé son mari mort et elle a paniqué. Elle est sortie en courant dans l'immeuble dans lequel elle habitait, ne sachant pas quoi faire. Et un frère m'a appelé une fois à 2h du matin pour dire ma femme est morte, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Qui devrais-je appeler? Est-ce qu'il faudrait envoyer le corps outre-mer? Est-ce que le corps va être dépecé? On va enlever les organes vitaux? On va le remplir de coton? Des questions que les personnes me posent au dernier moment, subhanallah. Alors, il faudrait peut-être aviser ces personnes-là, leur expliquer quoi faire, quelles sont les étapes. Si tu as quelqu'un en train d'agoniser, que voudrait-il faire au niveau du fiqh islami? Talqin al-shahada, lui, inculquer la ilaha illallah pour qu'il puisse la dire avant la mort. Fermer ses yeux, des choses que j'ai expliquées dans le cours de fiqh, mais que tout le monde est censé savoir. Ça, c'était le deuxième sujet. Et le troisième sujet, c'est celui de l'actualité. Et il y a eu un vote. Je n'ai pas pris en compte, malheureusement, les résultats, parce qu'il y avait beaucoup de pression des jeunes qui voulaient que je parle de la Russie, parce que c'est l'actualité. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler des crimes des Russes contre les musulmans à travers l'histoire. Et on va reporter ces deux thèmes que j'estime importants, Inch'Allah, pour les prochaines semaines. D'autres m'ont ajouté d'autres thèmes, comme celui des conflits conjugaux, surtout à propos des allocations familiales, à propos de certaines choses qui ne sont pas claires au niveau de l'être et qui engendrent malheureusement beaucoup de divorces, beaucoup de conflits. Donc ça aussi, c'est dans le programme, Inch'Allah. Maintenant, je me suis habitué. À force de faire da'wah, on commence à, subhanallah, à former une carapace. Quand j'ai parlé de la loi, l'article de loi 15, la loi sur la LPJ, la loi sur la protection de la jeunesse, il y a des gens qui ont écrit « Ah, maintenant il est avec le gouvernement, il banalise cette loi. » Alors que vous savez pertinemment qu'on est, alhamdoulilah, contre cette loi et on estime que la DPJ doit prendre en considération, tenir en considération le caractère religieux, spécifique, culturel, ethnique des jeunes musulmans et qu'on est en contact avec eux pour que s'il y ait retrait d'un enfant, qu'il soit placé dans une famille musulmane. Maintenant, si vous me dites pourquoi ils sont retirés ces enfants-là, parce que comme toutes les communautés, nous ne sommes pas une communauté parfaite. Il se peut qu'il y ait parmi nous certains qui ne connaissent pas les règles en vigueur ici ou qui se comportent mal. On ne dit pas, on ne prétend pas qu'on est parfait.
Bien entendu, cela n'enlève en rien le caractère systémique du racisme, de l'islamophobie qui existe au sein du système ici au Québec. Deuxième semaine, j'ai parlé des banques islamiques ou une coopérative islamique versus les banques. Ils ont dit, ah, il est de mèche avec Qurtuba. Alhamdoulilah, je suis locataire, je n'ai pas de contact avec Qurtuba. Et ce que j'ai expliqué aux gens, c'est tout simplement que le riba est haram. Et que, alhamdoulilah, il y a une alternative. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, avant de parler des Russes, je vais commencer, pour éviter ces commentaires désobligeants, je vais commencer par la fin. Je ne rate aucune occasion pour dénoncer les crimes, je ne dis pas d'Israël, je dis de l'antisionisme parce que je ne la reconnais même pas. Et je ne rate aucune occasion pour dénoncer les crimes des Américains. Que ce soit clair. Et les gens qui connaissent mon dossier savent très bien qui est derrière mon emprisonnement. Je n'ai pas besoin de revenir, mais juste pour que ça soit clair. Ils ont dit, ah, ils parlent des Russes, donc automatiquement, parce que ces gens-là, subhanallah, ont un système binaire de pensée, soit 0, soit 1. Alors, tu peux dénoncer les crimes des Russes sans être de mèche avec l'OTAN et les Américains. Maintenant, quand on parle des Russes, bien entendu, on parle de la Russie qui a connu plusieurs développements. Je vais commencer par un appel signé par Lénine et co-signé par Staline. Tout le monde connaît Lénine et Staline, bien sûr. Vous avez tous étudié la révolution bolchévique, n'est-ce pas? Non, vous n'avez jamais étudié la révolution bolchévique? 1917? Alhamdoulilah. Alors, le 20 novembre 1917, après la prise de pouvoir des bolcheviks en Russie, Lénine a lancé un appel. Cet appel, il existe, un document historique co-signé par Staline. Le titre de cet appel, à tous les travailleurs musulmans de Russie et d'Orient, musulmans de Russie, tatars de la Volga et de Crimée, kirghizes et sarthes de Sibérie et turcs du Turkestan, turcs et tatars de Transcaucasie, tchétchènes et montagnards du Caucase. Vous tous, dont les mosquées et les maisons de prière ont été détruites, dont les croyances et les coutumes ont été piétinées par les tsars et les oppresseurs de la Russie, désormais vos croyances et vos coutumes, vos institutions nationales et culturelles sont libres et inviolables. Organisez votre vie nationale librement et sans entrave. C'est votre droit. Sachez que vos droits, comme les droits de tous les peuples de Russie, sont protégés par la puissance de la révolution. On parle de quelle révolution? Bolchevique, communiste. Par les soviets, des députés travailleurs, soldats et paysans. Ce document, il est cité entre autres par Henri Bourgand, Histoire des peuples de l'ex-URSS, Paris, 1993, page 187-188. Document historique attesté. Personne ne le conteste. Hélène Carrère-Dancausse, qui est une historienne française, membre de l'Académie française, elle dit « Qui sont ces musulmans à qui Lénine et Staline lancent le 24 novembre 1917 un si dramatique appel ?» Ils sont alors quelque 16 millions de citoyens de l'Empire qui vient de s'écrouler, soit le dixième de la population, mais des citoyens de seconde catégorie. Donc les musulmans, avant même la révolution bolchevique, qui va massacrer les musulmans, qui va les expulser de leur terre, qui va plus tard leur enlever même le nom de famille, tous les Ofs et les musulmans, même leur nom de famille va être enlevé, qui va les expulser en masse, qui va les faire mourir de faim, qui va les envoyer en Sibérie, des millions de morts, l'un des plus grands génocides de l'histoire. C'est vrai que les Américains ont commis à peu près 2 millions de morts en Irak. Et Madeleine Albright leur a dit que c'était nécessaire. C'est vrai que les Français ont massacré en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afrique, des millions. Mais si on prend le
total de ses crimes, il n'arrive même pas à la moitié ce que les Russes ont fait goûter aux musulmans. Certes, l'Empire britannique, l'Empire français, l'Oncle Sam commettent des massacres. Mais ça n'a rien à voir avec les massacres que les Russes ont fait aux musulmans. C'est l'une des régions où les musulmans ont été le plus massacrés. Et je parle de génocide, je parle de déportation, je parle de destruction des mosquées, et je parle de viol, tout ce que vous pouvez imaginer. Toujours Hélène Carrère d'Encausse nous dit, sunnite en majorité, je la cite, l'article c'est le renouveau de l'islam en URSS, publié par Le Monde. Sunnite en majorité, mêlés à des chiites au Caucase et aux abords de l'Afghanistan, ces musulmans vivent autour de leurs institutions et de leurs coutumes. Pour les bolcheviks, ils ne sont d'abord qu'une force d'appoint pour la révolution. On va toujours être des gens naïfs qui se font instrumentaliser. Omar radiallahu anhu disait « Lestu bil khib, ou lal khib yakhda'ouni » Le musulman n'est pas mauvais. Il n'est pas pervers, mais il n'y a pas un pervers qui va l'avoir. Donc il faudrait que le musulman soit assez perspicace. Il doit voir plus loin que le bout de son nez et voir comment on est en... nous sommes instrumentalisés. Aujourd'hui, le président de l'Ukraine a envoyé un tweet vraiment étrange. Il a dit « Je remercie le président Erdogan et je remercie la Turquie pour leur soutien inconditionnel et pour avoir bloqué la mer Noire pour que les bateaux russes ne passent pas. » Quelques heures après, Ankara a sorti un communiqué de presse pour dire « Président Erdogan n'a jamais promis qu'il allait bloquer les bateaux russes. » Tout l'OTAN ne veut pas embarquer. Les Américains ont dit « On ne va pas envoyer un seul soldat. » Les Britanniques non plus. Les Français non plus. Et ils veulent que les Turcs se retrouvent dans cette guerre qui n'est pas la leur. Est-ce que vous avez compris? Toujours on est instrumentalisé. Et le président ukrainien, sur Twitter, il est suivi à peu près par 2 millions et demi. Il sait ce qu'il fait. On lance, on dit, ah, le président Erdogan m'a promis qu'il allait empêcher les bateaux russes de passer. Ankara a sorti un communiqué de presse pour dire... Nous sommes en réflexion, nous n'avons pas encore pris de décision à propos du passage des navires de guerre russes. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se tramer? Alors elle dit, quand la révolution a triomphé dans son pays, Lénine imagine qu'un vaste mouvement révolutionnaire va bouleverser tout l'Orient musulman et briser le colonialisme encore puissant. La situation agitée de la Turquie et de l'Iran voisin justifie ses espoirs. Pour cela, il lui faut utiliser les musulmans de l'espace soviétique comme alliés et comme exemple. C'est pourquoi, entre 1918 et 1921, les bolcheviks ouvrent les portes du parti communiste aux musulmans et acceptent la montée d'un communisme national musulman, où se mêlent indistinctement les idées de libération nationale, libération des peuples et tout, et de renouveau islamique et de marxisme. Mais ça, c'est un oxymoron, une antithèse. On ne peut pas mettre dans la même phrase communisme, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu, et que la matière est la source de toute vie et de la création, et l'islam. En 1921, les bolcheviks renoncent à essayer d'utiliser l'islam. Toujours c'est l'historienne Hélène Carrère qui parle. Elle dit, pour s'acharner dès lors à l'extirper des consciences des individus et de leur mode de vie. La France, elle le fait aujourd'hui avec des projets de loi. Le gouvernement veut le faire avec des projets de loi. Mais les bolcheviks, non, ils veulent extirper l'islam des consciences. Et de leur mode de vie. Vous savez, même les traditions islamiques n'en veulent plus. Ils veulent tout gommer. Mais parce qu'ils savent
combien profondément l'islam imprègne l'univers social et moral de ceux qui s'en réclament. Les bolcheviks sont d'abord prudents. Il faut planifier. Sans dire aux musulmans, vous allez quitter l'islam, les gens vont se recroqueviller et vont s'agripper à l'islam. Là, il faut, vous savez, la métaphore du crapaud. Même si scientifiquement elle est fausse, mais on va la citer. Si tu prends un crapaud, tu fais bouillir l'eau, tu le jettes, ce que la métaphore dit, il va sauter, s'enfuir. Mais si tu le mets dans de l'eau agréable, le crapaud va commencer à nager. Et là, au fur et à mesure, tu augmentes la température. Tu augmentes la température jusqu'au point où ses muscles seront engourdis, il ne pourra plus sauter, et tu vas le faire bouillir vif. Morale de cette histoire, de cette métaphore, c'est que si tu dis aux musulmans, vous allez quitter l'islam, vous allez devenir des laïcs, profondément laïcs, vous allez séparer le profane du spirituel. Les musulmans vont dire non, on ne peut pas, parce que l'islam, ce n'est pas seulement prier à la mosquée. L'islam, c'est comment manger, comment travailler, comment dépenser son argent, comment se marier, comment enterrer ses morts, tout. L'islam, c'est la vie. Alors, ce qu'on va leur dire, il y a plusieurs types de musulmans. Il y a les radicaux, les fondamentalistes, les extrémistes, les intégristes, qui veulent que l'islam soit partout. Puis il y a les musulmans modérés, qui veulent que l'islam soit à la mosquée. Une fois que tu sors de la mosquée, tu enlèves ton habit folklorique et tu sors comme tout le monde. Et la femme, elle peut porter son hijab à la maison. Quand elle sort de la maison, elle enlève son hijab. Ou bien quand elle va travailler chez son patron, elle enlève son hijab. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, comme ça, graduellement, on amène les musulmans à se faire bouillir comme le crapaud. On ne va pas les confronter. Mais les Russes, c'est une autre stratégie. Ils veulent extirper. Mais même ici, Lénine et Staline étaient quand même assez perspicaces. Ils ont planifié. Alors elle dit, ils commencent par en détruire les institutions, confisquant l'awqaf. Vous savez c'est quoi l'awqaf? Les fondations pieuses qui lui donnent son indépendance économique. Bien sûr, parce que si l'imam n'est pas indépendant, si moi je gagnais ma vie du CA de la mosquée qui me payait, je ne peux pas dire ce que je pense. Donc il faudrait que l'imam soit indépendant économiquement. Si tu ne l'es pas, c'est pour ça que je me rappelle Ben Ali et Moubarak, ils disaient « Tajfif al-manabir ». S'il y a cette tajfif al-manabir. Donc on essaie d'assécher les sources de financement, parce que la personne qui mange de sa da'wa n'est plus autonome, n'est plus indépendant. Inna rahim rabbi. Alors, eux, ils vont commencer par l'awqaf, supprimant ensuite les tribunaux musulmans. Il leur dit, non, on n'avait pas le droit d'avoir un tribunal pour le mariage. Pour... Ensuite, interdisent l'enseignement religieux. Regardez, au début, ils leur disaient, l'islam communiste, vous êtes les bienvenus, vous allez faire partie de la révolution. Les tsars vous ont massacré, c'est connu. Nous, avec la révolution, vous allez être libres, vous êtes des citoyens à part entière. En 1928, toujours, c'est Hélène Carrère qui parle. En 1928, 10 ans après, ça n'a pas pris trop longtemps, toute prudence disparaît. L'État soviétique se déchaîne contre l'islam. C'est pas moi qui parle, je la cite. Une propagande d'une violence extrême attaque cette religion, entre guillemets, réactionnaire. Il y a un chroniqueur qui a dit, c'est un imam réactionnaire. À l'époque, elle cite, une religion réactionnaire. Regardez, la propagande, c'est toujours, ça commence par Saharat Fil'aoun. Saharat Fil'aoun, t'as vu. Ça commence toujours par les sorciers du pharaon. J'ai dit en arabe que les sorciers du pharaon se sont repentis. C'est trop, Rahmatullah, il a dit, au début du matin, quand nous Saharat Al-Ashra, fa'amsaw shuhada al-abrar. Ils ont commencé leur journée par être de méchants sorciers, puis ils ont terminé leur journée par en même temps des martyrs. Alors, les médias commencent par cette propagande et elle dit d'une violence extrême, donc une propagande d'une violence extrême attaque cette religion réactionnaire inventée par un représentant de la féodalité marchande.
Là, les musulmans sont devenus du jour au lendemain des capitalistes pour donner un prétexte aux expéditions de pillage arabe. Regardez, je la cite, et elle les cite. C'est comme ça qu'ils ont présenté les musulmans. Et les massacres ont commencé. Les massacres. C'est pas un cours d'histoire. Hein. J'aurais pu faire un cours d'histoire avec des statistiques, mais juste pour vous donner une idée. Staline commence à déporter. Du début jusqu'en 1944, non-stop. En Asie centrale et en Sibérie, la majorité des Tatars de Crimée, des Tchétchènes, des Ingouches, des Koumiks, des Balkars et des Karachais, ces peuples ne seront réhabilités qu'en 1957. 40 ans de massacre. Au point, subhanallah, regardez, je ne l'ai pas lu dans un livre d'histoire. Quand j'étais en prison ici, un certain moment, il y avait avec moi un jeune réfugié. Il venait de l'Ouzbékistan, ancienne république soviétique. Vous savez pourquoi il était emprisonné en Ouzbékistan ? Parce qu'ils ont trouvé chez lui des pages du Coran. Ils n'ont pas de masahif. Nous, subhanallah, les musulmans, chacun de nous a un, deux, trois masahif pleins de poussière à la maison. Eux, ils s'en allaient à la mosquée d'État, mosquée avec le masahif, et ils essayaient de voler un mushaf, puis ils déchiraient les pages et se les partageaient. Après, pour pouvoir lire, parce que le Coran est interdit. Imaginez, subhanallah. Même le fait de lire le Coran, c'était un mushaf. Ils apprenaient la religion cachette dans les sous-sols. Ça, on ne parle pas des tsars. Avant les tsars, il n'y avait aucune prétention de défendre les droits de la personne. Maintenant, je parle de ceux qui ont dit, nous allons vous réhabiliter. Nous n'allons pas nous comporter comme les tsars. Alors, l'athéisme d'État est l'occasion de détruire des milliers de mosquées. Regardez, à peu près 25 000. Alors, pendant la révolution en 1917, il ne va en rester que 500. Seulement 27 au Daghestan, alors qu'il y en avait plus de 25 000. J'ai des statistiques, mais prenons les circassiens. Allez-y, écrivez. Génocide des circassiens. Tout un peuple qui va être déporté. Alors, il y a tout un débat. Est-ce qu'on va utiliser le terme, le concept de génocide ou de nettoyage ethnique? Ils disent nettoyage ethnique. Et pourquoi je vous dis ça? Ça, c'est important, parce que chaque fois qu'on parle de génocide, ils disent « Ah, le génocide qui a été fait par Hitler, le génocide du peuple arménien. » Il n'y a même pas lieu de comparer au niveau des millions de morts et de déportés. Quand on voit ce que ces peuples-là ont connu. L'expulsion des circassiens a débuté. Regardez, ce sont des indigènes caucasiens de la région du Caucase. Ils subirent de la part de l'Empire russe, une guerre sans pitié. L'expulsion débuta avant la fin de la guerre en 1864. Elle était quasiment terminée en 1867, en 3 ans. Et ces peuples-là ont été envoyés vers le califat ottoman. Ils ont tous été expulsés de leur maison. Au point où ils ont dit, nous n'avons plus de musulmans. Il n'y a plus de musulmans dans cette région. Les musulmans du Caucase ont été envoyés en Sibérie. De longs trains où tu voyais des hommes avec leurs femmes, leurs filles. Bien entendu, c'est les soldats qui contrôlent ces départs de troupes. Donc si une jeune fille est belle, si une femme est belle, ils s'en servent. Les musulmans ont connu l'une des pires, subhanallah, pages de l'histoire. Avant d'aller plus loin, de parler de l'Afghanistan, de la Tchétchénie, parce que les gens, quand ils parlent des Russes, ils parlent de l'Afghanistan. Ok, pas votre génération. L'autre, j'ai peut-être la Tchétchénie. Ou pour la majorité parmi vous, la Syrie. Aujourd'hui, j'ai écrit « Poutine est devenu soudainement un dictateur, un criminel de guerre sanguinaire. » Mais hier, à Halep, à Raqqa, à Derzour, à Daraa,
Hama, il a rasé Halab. Halab, c'est une ville qui a été rasée. Il n'y a plus de ville. Et les Russes sont connus pour pratiquer ce qu'on appelle siyasat al-ard mahrouba, la politique de la terre brûlée. Les Russes, quand ils rentrent dans une ville, subhanallah, c'est une phrase qui a été rapportée de Saddam Hussein. Saddam Hussein, on l'a vu qu'il s'est repenti. Donc nous, on suit le hadith de Rasul alayhi salatu wassalam, hadith du Prophète sallallahu alayhi wasallam, il a dit Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Fa nahnu nashhad annahu qala la ilaha illallah. Il a dit la ilaha illallah va être tué par Shia al-Rawafi. Mais Saddam, on lui a rapporté un jour, à propos de la révolution iranienne, que Shia n'a pas pu mater certaines régions. Et il leur a dit Shia fait une erreur. Et sûr, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il dit, ce qu'il dit, c'est bon, juste je rapporte. Il leur a dit, quand tu perds une région, il faudrait appliquer ce que les Russes font. Les Russes, quand ils perdent une région, ils rasent tout, ne laissent ni l'eau, ni l'électricité, ni la nourriture. Comme ça, ceux qui vont la récupérer ne peuvent pas en bénéficier. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'il y a un conflit entre l'OTAN menée par les Américains et par les Russes, appuyés en cachette en arrière par les Chinois, pour que l'OTAN non seulement s'arrête, mais qu'il recule. L'OTAN, les Américains, les Français, les Anglais, bien entendu, ne veulent pas envoyer des hommes, parce qu'ils ne veulent pas embarquer dans une guerre. Mais ce qu'ils voudraient faire, c'est armer les Ukrainiens et peut-être les Turcs, peut-être d'autres peuples, mais pas les membres de l'OTAN, pour qu'il y ait une guerre d'usure. Et cette guerre d'usure va leur permettre d'affaiblir les Russes et ceux qui vont les appuyer. Donc, d'une certaine manière, les Chinois, ils jouent sur les deux bords. Les Chinois, maintenant, c'est la troisième puissance militaire. La première, c'est les Américains, ensuite les Russes, au niveau du nucléaire, les Russes en premier, donc les Chinois, s'il y a une guerre entre les deux, mais c'est sûr qu'ils rigolent, comme on dit. Parce qu'ils vont être la puissance tout déclarée qui va venir sur les centres de ces deux puissances-là. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une lutte de pouvoir. Les Russes veulent prendre plus de pouvoir, ne veulent pas que l'OTAN s'aventure près d'eux. Et l'OTAN, de la même manière, il veut arrêter l'ambition du vieillard qu'est Poutine, 70 ans, oui, qui traîne un cancer. Donc les Américains, ils comptent combien il lui reste à vivre. Et ils se disent, est-ce qu'il y a un système autour de Poutine ou c'est le pouvoir d'un seul homme? Apparemment, c'est un seul homme, mais pas plus. D'ailleurs, même les sanctions, c'est lui qui est ministre des Affaires étrangères. Parce qu'ils savent très bien que c'est un vrai dictateur. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans cette lutte entre ces deux puissances ne doit pas nous faire oublier que Poutine, hier, quand il rasait Halab et quand il rasait, il bombardait Hama, Raqqa, Deir ez-Zor, Dar'a, il y avait zéro condamnation internationale. On n'a rien entendu. Ni les Nations Unies, ni les médias qui pleurent aujourd'hui. On voyait, nous on suivait, bien sûr. On suivait les musulmans se faire brûler vifs. Aujourd'hui, moi je comprends. Nous tous, on n'allait pas voir l'injustice. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, Allah Azza wa Jalla a interdit à donner l'injustice, même envers le mécréant. Le musulman ne peut pas être injuste envers un mécréant. Donc c'est sûr que, d'un point de vue tout à fait humain, on n'allait pas voir les massacres. Mais on trouve hypocrite qu'il y a juste quelques mois, Trump et Obama avant lui ont laissé Poutine prendre la relève au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient a été livré aux Russes et aux Iraniens pour qu'avec l'antidécioniste, ils soient les trois forces qui empêcheront les peuples de renaître de leur cendre et faire en sorte que Khilaf, l'unité des musulmans, revienne un jour. C'est ça le plus important pour eux. Que ces peuples-là
de Rabat jusqu'à Jakarta ne puissent plus être ensemble. Il faut les diviser. Il faut mettre au sein de cette entité, de cette région géographique, culturelle, religieuse, un corps étranger. Vous savez quel est le corps étranger ? Daoulat Yahoud. N'est-ce pas ? L'entité sioniste. Et les Américains, parce qu'ils ont une urgence ailleurs. Où est leur urgence ? Au Pacifique. La montée de la Chine. D'ailleurs, Macron n'était pas content parce qu'il y a eu une entente entre les Américains, les Britanniques, les Australiens, puis ils n'ont même pas parlé aux Français. Parce qu'il y a une priorité. Les Américains voient les Chinois venir au Pacifique et ils doivent se retirer du Moyen-Orient, mais ils ne peuvent pas laisser les musulmans faire ce qu'ils veulent. Alors ils ont passé le flambeau à qui ? À Poutine. Et Poutine qui rêvait d'avoir accès aux eaux chaudes, la Méditerranée, l'attaquer. Il a un port maintenant. Il s'est aventuré en Libye. Il s'est aventuré avec la société Wagner au Mali. Donc Poutine a saisi la balle au bon. C'est quelqu'un qui a de l'ambition. Il n'a jamais gobé comment l'URSS a été humilié par les Américains. Alors, il a dit, c'est le moment où je dois bénéficier de cette situation géopolitique. Les Américains ne peuvent pas rentrer en guerre parce qu'il y a la Chine. Alors, je vais arrêter le NATO, l'OTAN, et je vais essayer de m'aventurer. Mais comme j'ai dit, qui a créé cette situation géopolitique ? C'est l'Occident, c'est l'OTAN, c'est les Américains. Donc, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, Poutine, il a tous l'occasion fait le larron. Il en a profité. Politiquement, c'est un coup de maître. Il sait très bien qu'ils sont faibles et qu'ils doivent gérer la Chine. Alors lui, il s'aventure. Et la Chine, d'une certaine manière, il y a eu un vote aux Nations Unies et il y a tous les pays ont voté contre les Russes, excepté les Russes qui ont voté pour eux-mêmes. Et il y a eu des abstentions. Les abstentions, c'est l'Inde, la Chine, les Émirats Arabes Unis. Trois abstentions. Et tout le monde était contre, contre le Conseil de sécurité. Tout le monde était contre les Russes. Alors, je ferme cette parenthèse, mais subhanallah, ça fait mal au cœur. Comment aujourd'hui, tous les médias, je suis en train de voir les chroniqueurs, les écrivains, les artistes, les sportifs, tout le monde en train de dénoncer Poutine. Oui, on sait que c'est un criminel de guerre. Juste écrivez Halep, Alep. On avait fait une manifestation devant le consulat, pour ceux qui étaient avec nous. On était à peu près 500. Quand les gens de Halep nous ont envoyé des messages pour dire « Nos femmes vont être prises comme esclaves de guerre, nos enfants sont en train de mourir, on est en train de manger des chiens ». On avait fait une manif, on était à peu près 500 devant le consulat. Les médias ont boycotté. C'est les regards pauvres. C'est les musulmans qui meurent. Mais aujourd'hui, mobilisation internationale, il faut dénoncer ce qui arrive. Oui, c'est un criminel de guerre. Mais il a toujours été. Il a rasé Grozny. Vous savez, Grozny, je saute du coq à l'âne, mais juste en 2003, les Nations Unies ont qualifié Grozny, entre guillemets, la ville la plus détruite sur Terre. Il l'a rasée. Et lorsque Kadyrov, le traître, a été tué par les résistants, les Moudjahidines tchétchènes, son fils, Kadyrov maintenant, a pris le pouvoir et est devenu le petit caniche de Poutine. Et c'est lui qui l'a mis au pouvoir. Donc ce que veut faire Poutine, il veut faire la même chose qu'en Tchétchénie. Il ne veut pas. Poutine aurait pu raser l'Ukraine. Hein. Pourquoi il ne la rase pas ? Pas parce que ce ne sont pas des musulmans. Parlons d'une manière plutôt pragmatique, logique. Pourquoi il ne le fait pas ? Il veut l'annexer. Il veut que l'armée ukrainienne se joigne à la Russie. Puis il envoie des messages aux colonels, aux généraux. Il leur dit, rejoignez l'armée de Russie. Vous êtes des Russes. Vous êtes des slaves comme nous. La composante du peuple russe, c'est deux choses. Oubliez le communisme, oubliez deux choses. La première, ce sont des slaves.
les russophones slaves. La deuxième, ce sont des orthodoxes. Et Poutine est un orthodoxe. Chaque année, certaines personnes qui suivent les coachs de vie, ils leur disent « Ah, c'est bon de prendre des bains de glace au mois de décembre. Ben, » ils font parce que lui, comme orthodoxe, tu le vois dénudé et il descend dans un trou de glace parce que c'est religieux chez lui. Donc, oubliez le communisme. Oubliez. D'ailleurs, ce soir-là, il y a un cher qui m'avait marqué à l'époque. Il a dit « Je suis parti voir le Kremlin. » Et j'étais sidéré de voir que le Kremlin, cette grande, c'est l'équivalent de la Maison Blanche. Il est entouré d'églises. Et j'ai demandé à un ami traducteur russe, je lui dis, les bolcheviks, quand ils ont détruit des milliers de mosquées, ils n'ont pas détruit les églises ici, dans le Kremlin? Il a dit, ah, parce que c'est culturel. Même argument que chez Legault, que quand tu leur dis, mais comment ça se fait que vous permettez les églises, vous les financez, il y a des exemptions fiscales et tout, ils disent, ah non, mais c'est le patrimoine culturel. Ce n'est pas la religion. La mosquée, c'est la religion. L'islam, c'est la religion. Mais le catholicisme, pour nous, c'est le patrimoine culturel. C'est la culture. Donc, eux, ils ont rasé les mosquées, mais ont laissé les églises. Rapidement, l'histoire de l'islam en Russie. Il y a quelque chose, peut-être, qui va vous surprendre. Savez-vous que les Russes ont connu l'islam avant le christianisme? Et savez-vous ce qui a empêché les Russes de continuer à être musulmans? Qui sait pourquoi les Russes ont refusé l'islam puis ont choisi le christianisme? Je vous donne un indice. Le premier ministre du Québec et la province de l'Ontario ont dit « Nous allons boycotter la vodka ». La SAC a émis un communiqué. De presse, hier, la SAC, la société, pas la SARAC, la SAC, Société des Alcools du Québec, a publié un communiqué comme quoi ils ont à peu près 12 types de spiritueux, d'alcool russe, et ils vont les boycotter. En fait, l'histoire nous dit, et ça a été cité par le professeur Farid Sher Assadullah dans son livre « Moscou, la musulmane, son passé sans l'avenir ». Il a dit que l'islam remonte en 922, à l'année 922. Et il a dit, subhanallah, ce qui a empêché les Russes de suivre l'islam et de préférer le christianisme, c'est que l'émir, le tsar russe, Vladimir, aimait tellement la vodka et l'alcool qu'il a dit aux imams, est-ce qu'on peut rester musulman tout en buvant de l'alcool? Ils ont dit non, c'est haram. Il leur a dit, je n'aime pas cette religion. Et quand il va parler aux prêtres, ils vont dire, mais nous, on boit le vin dans l'église dimanche. C'est le sang de Jésus. Dix sept fois par jour, tu récites Al-Fatiha, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous le droit chemin. La première invocation dans le Coran, dans le Fatiha, Ihdina Sirat al-Mustaqim, guide-nous le droit chemin. Dix sept fois tu répètes ça. Sirat al-Ladina al-Anta alayhi, la voix de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayr al-Maghdoubi alayhi, et non pas la voix de ceux qui ont encouru ta malédiction, les juifs. Voilà, Dalin, c'est 6, hein? Obligatoire. Dalin, qui sont Dalin, les égarés? Les chrétiens. Les premiers, ils savent le haqq, mais ils ne veulent pas le suivre. Alors ils ont encouru la malédiction d'Allah. Les deuxièmes, ils ne savent pas le haqq, ce sont des égarés. Mais ils adorent Allah sur l'égarme. Donc, d'une certaine manière, s'en vont dimanche, prennent un petit peu de vin et disent « ça c'est le sang de Jésus ». Et ils savent très bien que dans leur livre, que l'alcool, le vin, qui change l'esprit, est interdit. Mais ils ont modifié leur livre et l'ont rendu licite. Donc, subhanallah, ça c'est la cause pourquoi ils ont refusé l'islam
Et l'émir Vladimir va devenir chrétien dans l'année 982, à peu près 60 ans après que l'islam avait fait son apparition en Russie. 60 ans après, il a opté, le peuple sud. Et depuis ce temps-là, les Russes sont devenus, les Russes qui sont des Slaves, un peuple blanc de cette partie de l'Asie, entre l'Asie et l'Europe. Maintenant, il y a une problématique. Est-ce qu'on... Parce que j'ai entendu certains chouyours qui avaient un débat. Est-ce que les Russes font partie de Rome? Rome. Vous savez, il y a une sourate qui s'appelle Sourat Ar-Rum. Qui sont Ar-Rum? C'est ça, c'est pas seulement les Romains. Parce que ceux que Ar-Rasoul a combattu, c'était pas les Romains, c'était les Byzantins. Et parce qu'il y a deux Roms, en fait. Il y a Ar-Rum al-Sharqiyya ou Ar-Rum al-Gharbiyya. À un certain moment, il va y avoir un empereur qui va avoir deux capitales. Une capitale en Orient, qui est Constantinople, Constantinia, qui est devenue aujourd'hui Istanbul. Et une deuxième capitale, Rome, Romia. Rasoul alayhi salatu wa salam, on lui a dit, quelle ville va être libérée en premier, à la fin des temps, parce qu'il parlait de la fin des temps. Il a dit, Madinatu Qaysar, la ville de Qaysar. C'est-à-dire Constantinople. Ensuite, Romia. Et ça devrait rehausser un petit peu, subhanallah, tafal manawiyat. Vous soyez optimiste que l'avenir est pour l'islam. Et depuis que l'islam est venu, depuis que Rasoul alayhi wa sallam est venu avec le dernier message du ciel, le messager a eu quatre ennemis. Quatre ennemis. Et ces ennemis continuent à être là. Les premiers ennemis, les polythéistes, al-mushrikoum, mushrikoum Quraysh, c'était les ennemis avérés de l'islam et du prophète alayhi salam et des musulmans. Hier, je regardais, subhanallah, un journaliste indien qui a envoyé un discours d'une dizaine de membres du parti de Modi, qu'Allah le maudisse, et il disait, faudrait enlever les voiles des musulmans, faudrait brûler vifs ceux qui voudraient encore pratiquer l'islam, manger des vaches, c'est un chèque. Des menaces, subhanallah, de génocide contre les musulmans. Je n'ai pas voulu partager la vidéo parce que, subhanallah, il y avait une haine incroyable. Et des femmes qui parlent. Donc, le deuxième groupe, quand le messager sallallahu alayhi wa sallam va aller à Médine, qui va être ses ennemis, les pires, traduction libre d'essence de ce verset, les pires ennemis de ceux qui ont cru sont les juifs et les polythéistes. Regardez ce que dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Troisième ennemi, Ar-Rum, les chrétiens. Première confrontation à Mu'ta, une armée de 3000 combattants va être envoyée parce qu'ils ont tué l'émissaire du messager. Al-Rasul a envoyé un émissaire, ils vont le tuer. Le messager, il dit, Al-Rasul a tuqtel. Quand on voit l'émissaire, c'est un diplomate, il ne faudrait pas les tuer. Alors il envoie une armée de 3000. Et Al-Rasul a dit, à la tête de cette armée, un esclave affranchi, Zayd ibn Haritha, radiallahu anhu. Il leur a dit, s'il est tué, le pouvoir, l'étendard va revenir à Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète. S'il est tué, l'étendard va revenir à Abdullah ibn Rawaha, un poète compagnon. Et il n'a pas nommé un quatrième. L'armée s'aventure, il se retrouve face à un océan. Min al-Rum. Wa min al-Arab al-Nasara. 100 000 Byzantins chrétiens et 100 000 Arabes chrétiens. Parce que les tribus aux confins de la Sassina, aux confins de Cham, étaient chrétiens à l'époque. Donc, eux, ils étaient 3 000, puis ils ont vu 200 000. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Chaque homme doit combattre 70 hommes.
N'importe qui aurait embrassé chemin. Mais les musulmans, parce qu'ils ne vont pas là pour dunya. Vous savez, Khaled bin Walid, maintenant ils font de la guerre psychologique, les musulmans, la radicalisation, le fondamentalisme, les musulmans commencent à avoir peur, à raser les murs. Les musulmans, la guerre psychologique, ça ne marche pas avec eux. Khaled bin Walid, radiallahu anhu, la première fois qu'il a rencontré un émissaire des Roms, des Byzantins, il lui a dit, on m'a dit que vous êtes venu parce que vous êtes des va-nu-pieds. Vous n'avez rien à manger dans le désert, vous n'avez pas de tissu, vous n'avez pas de maison, que des maisons en peau, des dromadaires. Chacun de vous, je vais le rendre riche. Je vais vous remplir vos selles, vos montures d'or et d'argent. Revenez chez vous, ne nous combattez pas. Khaled bin Walid a dit, non, on vous a mal informé. On n'est pas venu parce qu'on est pauvre. On est venu parce qu'on nous a dit que le sang de Bani al-Asfar, des Romains, est un sang délicieux. On est venu pour se régaler. Ils vont dire, lui, il ne rit jamais. Il rit seulement quand on parle de ça. Ça, voilà. Donc, ce que je disais, c'est, regardez la guerre psychologique, subhanallah. Il leur a dit, voici pourquoi on est venu. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que, premier ennemi du messager, les polythéistes. Deuxième ennemi, et je ne vais pas encore, troisième ennemi, les chrétiens. Et les chrétiens, première confrontation, la bataille commence, Zayd ibn Harithah est tué, radiallahu anhu. L'étendard revient, vous savez l'étendard, okay. Le football américain, celui qui a la balle, tout le monde lui court après. Tout le monde veut prendre celui qui a la balle. Donc quand tu as l'étendard, toute l'armée veut te tuer. Parce que pourquoi? Ils veulent que l'étendard tombe. Si l'étendard tombe, tu as perdu la guerre, la bataille. Donc celui qui prend l'étendard, les flèches, les lances, tout le monde le vise. Les chevaliers, tout le monde va le... Alors, c'est pas n'importe qui prend. Vous savez, les chefs de guerre musulmans, c'est pas des gens qui restent en arrière, qui se cachent. Ils sont au milieu, avec l'étendard. Ja'far ibn Abi Talib prend l'étendard, on lui coupe sa main. Il prend avec la gauche, on lui coupe sa main. Il prend avec les deux, on le coupe en deux. Radiallahu anhu, le message du sallallahu alayhi wa sallam, en racontant live, en direct, dans la mosquée, il leur raconte ce qui se passe, a eu des larmes qui ont commencé à couler quand il a appris que Ja'far radiallahu anhu a été tué. Il a dit, Allah lui a donné à la place de ses mains deux ailes pour voler au paradis, radiallahu anhu. Abdullah ibn Rawah prend l'étendard, rentre combattre, il va être tué. Les musulmans, ils étaient 3000 face à 200 000, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils leur ont dit, il y a un homme qui n'a jamais perdu une seule bataille, Khalid ibn Walid, Saifullah ibn Mas'ud, c'est le... l'appellation qui va mériter du messager après cette bataille. Il prend l'étendard, Khalid radiallahu anhu, il a dit, yo mu'ta, kusirat fi yadi, dans le jour de mu'ta, dans ma main, 9 épées ont été brisées. Wa ma samarat illa sahifa yamaniya. 9 épées ont été brisées à force de combattre, radiallahu anhu. Khalid al-Walid, c'est pas une halqa sur mu'ta, mais rapidement, que vous sachiez comment ils étaient et comment ils devenaient. Wala hawla wa quwwata illa billah. Il prend Al-Maymana, l'armée qui était à gauche, il la met à droite. Celle qui était à droite, il la met à gauche. Ceux qui étaient en avant, il les met en arrière. Et en arrière, il les met en avant. Donc, quand ils sont venus le deuxième jour, ils ont dit, ah, ils ont reçu des renforts. C'est plus les mêmes. Guerre psychologique. Puis, il leur a dit, vous allez combattre, mais en reculant. Combattez en reculant. Alors, quand les musulmans commençaient à combattre en reculant, à Rome, on commençait à... Attends, ça c'est des renards du désert. Ils veulent nous entraîner dans le désert. Ne les suivez pas, laissez-les. Et il a retiré les 3000 sans qu'ils se fassent massacrer par les 200 000. Première confrontation entre les musulmans. Quand ils sont revenus, parmi les choses qu'on raconte, qui ne sont pas prouvées au niveau de Sira, c'est que les femmes et les enfants sont sortis, leur jeter des pierres, leur ont dit « Farartum ya farrar » Vous avez... Fuyard. Alors ça, ce qu'on a dit, vous me laissez au bout de ils n'ont pas fui, mais Ya ayyuha alladhina amanu idha laqaytum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum aladbar wa man yuwallihim yawma idhin dhuwarahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fida faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sa al-masir. Donc mutahayyizan ila fida, tu as le droit de laisser
l'endroit où tu combats et d'aller dans un autre endroit où est-ce qu'il y a un groupe qui peut t'aider. Ça, c'est pas une fuite. Alors, Rasoul Al-Sassalam, il a dit maintenant, je vais mobiliser les troupes. Il a mobilisé la plus grande armée qu'il a pu, 30 000 combattants. Et il est parti encore combattre à Rome, les Byzantins. Ghazwat Tabouk. Et il est arrivé sur place, il a campé, que tout le monde sache, les Arabes et les Byzantins qui étaient là, ils ne sont pas venus le combattre. Qala alayhi salatu wassalam, non certu bi ar-ru'b, mais sirat ash-shahr. J'ai été déclaré victorieux à une distance d'un mois par la terreur qu'Allah met dans le cœur de ses ennemis. Alayhi salatu wassalam. Alors, ça c'est la confrontation avec les chrétiens. Ce qui va arriver, bien sûr, vous savez, connaissez l'histoire. En moins de 100 ans, les musulmans avaient relégué aux oubliettes deux empires, les Perses et les Byzantins. Quatrième type d'ennemi que vous devez connaître. Ah, voilà, l'ennemi interne. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y en a qui disent, nous croyons en Allah et le jour du jugement dernier. Mais ils ne sont pas des croyants. Qu'est-ce que dit Allah à propos de ces gens-là? Il dit, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils ont dit, nous avons cru, ils sont comme vous. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Sois avec vous. Nous ne faisons que nous moquer les musulmans, les hypocrites, l'ennemi interne, la cinquième colonne. Alors, ça c'est quatre ennemis et les chrétiens forment un ennemi considérable. Maintenant, l'opposition des chrétiens en général, de Rome, je les appelle Rome, avec les musulmans, est une opposition existentielle. Pourquoi? Parce que Rome sont devenus un empire. Vous savez, à un certain moment, Rome s'est christianisé, n'est-ce pas? En fait, Rome ne s'est pas christianisé. C'est le christianisme qui s'est romanisé. Ils ont instrumentalisé la chrétienté pour pouvoir mener le monde. Et ils l'ont modifié, ils l'ont changé depuis Paul. Alors, Bolos, un jour je parlerai de ce personnage. Alors, quand on parle de Rome, Constantinople et Rome, ces deux capitales, la capitale des catholiques et la capitale des orthodoxes, et il y a d'autres, une troisième entité qui sont les protestants, britanniques et américains. Ça, c'est les, je dirais, c'est les trois, c'est un oiseau qui a trois ailes, ou qui a une tête maintenant et deux ailes. Donc, les catholiques, les protestants et les orthodoxes. Les musulmans ont souffert des trois. Mais aujourd'hui, je vous parle des Russes parce que le contexte historique, ou plutôt, excusez-moi, le contexte actuel, fait en sorte que tout le monde parle des Russes. Je voulais que vous sachiez que les Russes ont tué à peu près 2 millions d'Afghans et ont tué entre 300 000 et 500 000 de Tchétchènes et ont massacré dans l'histoire, plus de 50 millions, ça c'est Staline. Il n'y a pas quelqu'un qui a massacré autant de musulmans que les Russes, à travers leur histoire. Et je vous ai donné des statistiques et j'ai cité des références qui sont, d'une certaine manière, hors de tout doute. Alors, je vais m'arrêter à ce point-là parce qu'il en est rendu à la mort. Moi, quelqu'un m'a envoyé un message, il m'a dit, soyez bref, on est bien sûr ces conférences, mais on veut pas que ça commence à dépasser une heure parce qu'on est fatigué, puis on ne suit plus, je comprends. On pourra continuer à parler ensemble, inchallah, mais pour le live, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que les musulmans ont souffert des massacres des Russes en Tchétchénie, en Afghanistan, en Syrie aujourd'hui, par le communisme de 1917 jusqu'en 1957, pendant 40 ans, par les tsars au début, parce que quand les bolcheviks sont venus, les communistes, ils ont dit, on veut vous réhabiliter, parce que vous avez été déjà massacrés, il y a eu des génocides. Et ça n'a pas cessé, subhanallah, ces massacres contre les musulmans. Alors, est-ce qu'ils font partie de Rome? Oui, ils sont devenus, ils n'étaient pas Rome au début, parce que Rome maintenant, c'est une appellation qui peut englober non seulement
les Occidentaux, mais aussi les chrétiens d'Orient. Parce que Rasoul, c'était les chrétiens d'Orient qui l'a combattu. Alors, si des questions, des remarques, on va arrêter, Inch'Allah, le live. Semaine prochaine, l'un des deux sujets qui vous intéresse, soit planifier sa mort, soit retourner à son pays d'origine, rêve, obligation. Barakallahu fikoum. هل من تعليق هل من انتقاد هل من سؤال questions commentaires remarques critiques تفضل كريم. Est-ce que les Russes rompent vraiment ou bien il y a pas une part rompre? J'ai vu Dr Bassam Jarrah dire